Wir fahren weiter mit den Grußbotschaften. Nicht vergessen habe ich, auch wenn Sie es ein bisschen näher hatten, aber ich weiß, es sind viele hier, alle aus dem Kanton Bern und anführend natürlich Nationalrat Erich Hess aus der Stadt Bern. Auch ihm gratuliere ich zur Wiederwahl. Wir kommen jetzt zur Grußbotschaft aus der Swiss Romande. Und für die Grußbotschaft aus der Swiss Romande gebe ich das Wort unserem Vorstandsmitglied, Monsieur Jean-Dominique Cipolla. Wie du willst. Monsieur le Président d'honneur, Monsieur l'invité, chers membres, chers sympathisants, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, la situation internationale reste tendue. Récemment, la planète a frisé un conflit mondial en Syrie. L'OTAN menace constamment la Russie. Les États-Unis continuent de répandre le chaos au Proche-Orient et ailleurs. L'Union européenne profite des désordres institutionnels de ses membres pour essayer de mater la Suisse et de la rendre plus docile et plus accommodante. Vous le savez certainement, Bruxelles a décidé de forcer Guillaume Tell à déposer son arbalète. En effet, la Commission européenne veut désarmer progressivement les citoyens suisses. Selon la législation qu'on veut nous faire avaler, soi-disant pour lutter contre le terrorisme, les soldats, les tireurs, les chasseurs et les collectionneurs sont considérés comme des cinglés, des fous dangereux, qui devront prouver qu'ils ne sont ni fous ni dangereux pour conserver leurs armes. Vous vous rendez compte que c'est absolument délirant et ahurissant. Pour lutter contre le terrorisme, on désarme les honnêtes citoyens. La Commission européenne a choisi délibérément le parti pris liberticide d'évacuer les citoyens d'une quelconque participation à la sécurité. Pour ces fonctionnaires obtus du politiquement correct, les armes représentent le mal absolu qu'il faut simplement éradiquer. Ne succombons pas à la tentation habituelle de nos jours de croire à la philosophie simpliste, mais largement répandue, et qui est démentie dans la pratique et dans la théorie, qui consiste à dire « moins il y a d'armes, moins il y a de crimes ». Plus on supprime les armes, plus on gagne en sécurité. C'est faux, archi-faux, car ni les terroristes, ni les gangsters, et c'est bien souvent les mêmes, ni les terroristes, ni les gangsters ne s'inquiètent d'obtenir un permis pour obtenir une arme. Il est indispensable de rappeler, ici, à l'ASIN, à l'Action pour une Suisse indépendante et neutre, qu'il existe un lien très fort entre la possession d'armes, l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Ce lien très fort consiste à rappeler la figure emblématique du citoyen soldat. Ici en Suisse, toucher aux armes, c'est entamer notre liberté et la confiance de l'État à l'égard de chaque citoyen. Partout où la liberté de détenir des armes a reculé, les libertés publiques ont reculé en proportion.
En son temps déjà, Niccolo Machiavel vantait les Suisses dans son chef-d'œuvre « Il Principe », le prince. Il disait des Suisses, ils sont « armatissimi » et « liberissimi », ce qui signifie en français, ils sont très armés et très libres. L'État doit encourager la solidarité entre les citoyens et ne pas les pénaliser en interdisant le port de moyens de défense personnelle efficaces. Un citoyen armé et responsable prouve qu'il est prêt à s'engager pour la sécurité de son voisin. Sans armes, le citoyen n'est plus guère qu'un contribuable. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous exhorte à ne pas vous laisser désarmer. Le droit sur les armes en Suisse n'est pas négociable. C'est avec ces quelques mots sur les armes que je tiens à vous apporter le bonjour et le salut de tous les francophones. L'an dernier, j'avais oublié un canton dans mes propos préliminaires. Or, aujourd'hui, je vais essayer de me rattraper au nom des Genevois ici présents, des Vaudois, des Fribourgeois, des Neuchâtelois, des Jurassiens, des Bernois et enfin des Valaisans. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues et une excellente journée dans notre Berne fédérale afin de marquer tous ensemble notre soutien efficace en faveur de l'indépendance et de la neutralité suisse. Vive l'action pour une Suisse indépendante et neutre. J'ai dit. Ganz herzlichen Dank. Das ist wichtig, dass wir auch in der belgischen Schweiz starke Vertreter für die Eins haben. Herzlichen Dank, Jean-Dominique Cipolla.